Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Bon, pour moi, ça va impeccable, là, comme d'hab, tu le sais, on est en détente, comme tous les jours, on va dire. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, les frangins. Voilà, on a préparé 7 jolis combos. D'ailleurs, je tiens à vous remercier. Vous avez fait un peu les pinces sur la dernière vidéo en matière de laïcus, hein. Moi, c'est pas grave, ça arrive, il y a des oublis et tout ça. Donc, c'est pour ça que je te demande, franchement, si tu as kiffé, pose le petit like à papa. En détente, voilà, ça fait plaisir, ça référencie, ça donne de la force. Et merci à tous qui donnent le soutien. Alors les frères, aujourd'hui on a préparé 7 petits combos, 7 petits combos en détente, pépère. Voilà, je vais vous montrer ça immédiatement. Avant tout, les frères, je voudrais vous montrer l'équipe que j'ai préparée. Vous me dites, avant les combos, hein, tu me dis. Alors on a préparé ça, tu vois. Voilà, on va jouer avec ça normalement. Voilà, là j'ai hésité les frères, entre Klose et Hakimi. Je sais pas. Hakimi Boost, bien sûr, pas l'OTW à 300K qui va probablement chuter pendant la Tochi. Voilà, après on a mis là, on a mis Upamecano, le Davis, truc, Payet, c'est la base, la baise, la bise. Fofana, il est en train de chuter. Je vais peut-être l'investir. Je vous tiens au jus. Si je l'investis, là, j'ai vu qu'il était descendu à 900 000, c'est de bon augure. Moi, j'ai 7 millions, donc on verra si je l'investis. Mais je vais bien, bien, bien le surveiller. Je vais prendre mon temps, parce que 900 000, c'est pas anodin. Dites-moi juste les frangins, très important, dans l'espace commentaire, les frères, dites-moi juste, Team Klose ou Team Hakimi? Voilà, et dis-moi pourquoi, qu'est-ce qui te plaît pas chez Klose? Pour l'instant, j'ai eu de bons retours sur Hakimi. Hein. Mais je vois la carte à Klose évolutif. Il est déjà à 8 passes D cette saison. Voilà. Donc voilà, on se retrouve les frères pour le premier combo. Alors le premier combo, il est simple, tu vois. On va monter un peu en pression, tu vois, sur les crédits. Alors, on se met sur or non rare. Or non rare, on va sur le poste DG. On se met en anglais. Et on est bon, voilà. Et c'est du 700, voilà. C'est du 700. Ce que tu fais, bon, il est un peu chuté, peut-être c'est du 6. Voilà, c'est du 6. Voilà, tu te mets là, bam, tu spams. Et ça tombe bien, quoi. Tu vois les Anglais. Voilà. On va essayer. Je vais. Attends. Hop, hop, hop. Voilà, tu te mets là. Et tu spams un peu les Anglais. Tu peux voir qu'ils sont. Même à 700, tu vends. Là, regarde. À 600, il n'y en a qu'un. Tu vois, tu le prends, bam. Tu le prends, hop, tac, hop, tu mets 7,50, tu ne te prends pas la tête, un listage, il va partir. Prochain combo, les frères, on met pareil, hors commun, anglais, mais on va sur MD. MD, et c'est du 700 pareil, voilà, c'est du 700 normalement. Voilà, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on se met à 600 et on chasse un peu ce qui tombe pas. Voilà, tu te mets là, il y a toujours un pour casser les couilles. Tu te mets là, n'hésite pas à faire les enchères aussi. Tu tournes un peu, bam, bam, bam. Hop, tu tournes, tu tournes, tu tournes. Hop, tu vois qu'il y a du monde dessus. Mais c'est pas grave, il en faut bien. Hein. Il en faut bien, voilà, bam. Tu te mets là, tu spams. Allez, tu peux m'en donner un pour marquer le coup? Marquer l'époque et tout, tu as compris? Non? Tu veux pas? Ok, c'est pas grave. Ensuite, les frères, on se met sur. Troisième combo, on se met sur MDC. Les gars, tous les combos que je vous donne, ils marchent. Je ne cherche même pas de midi à 22. Alors, MDC, bim bam boum, MDC, France, non rare, pareil. On est sur du 6,50. Voilà. 6,50, ce que tu fais, tu te mets à 500. Allez, 500, même pas, 600, ça tombe pas, c'est pas grave. Tu te mets là et tu fais un ton petit spam. En même temps, tu fais voilà, hop, ça enchère. Tu sais que tu vas le revendre à 700 en détente, tu vois. Non, non, non. 500, 600, je prends pas. Normalement, ça tombe à 450, 500. Le prix des or non rares très classiques, tu vois. Tu te mets là, tu fais. Qu'est-ce que tu fais? Tu mets 30 ans, gros. Hein, c'est quoi? C'est la fibre céréalière que j'ai? Hein, gros? Voilà, tu prends, tu mets à 750. Voilà, ça te fait des petits crédits. Tu remplis très rapidement ta pile. Tu vas aussi sur DC. Pareil, on attaque. On est sur du 600 normalement. Si tout va bien, on est sur du 600. Voilà. Là, tu as du Saliba. Hop, Saliba, je ne l'ai pas eu. C'est pas grave. Je sais que ça tombe beaucoup, tu vois. Donc, je ne m'inquiète pas. Dès que j'utilise ces combos, ça tombe. C'est du pain, on va dire.
Surtout quand c'est Julien, non, ça me bat les couilles. 5,50, c'est bien, tu vois, mais bon, ça s'arrête là, quoi. Tu vois, bam. Voilà, hop. Tu prends. Ah, petit cochon. Ensuite, le cinquième combo, les frères. On reste sur DC, hors non rare, ouais. Et on va sur Brésil. Là, on est sur du 700, normalement, pareil. C'est des petits combos, tu vois que ça te barre un peu, tu vas sur un autre, tu vois. Tu te mets à 600, tu te places à. Oh, mais je suis TR, c'est bien 700, j'ai monté 700. Hein. Voilà. Tu te mets là et tu spammes un peu tranquille, tout en faisant un peu d'enchère. Tu vérifies un peu s'il y a un peu de l'enchère. Voilà. Ensuite, et là, on monte un peu plus. En budget, quoi. Là, on monte un peu plus en budget. On est sur du DD Brésil, non rare. Et normalement, on est sur du 1002, si tout va bien. Ouais, on est sur du 1002. Tchagui, Tchakaïsaïra. T'en as un autre, j'ai oublié son blast. Comment il s'appelle, cette tête de con? T'en as deux ou trois, en fait. Voilà. T'as Emerson, t'as Danilo. Voilà. T'en as trois ou quatre. Qu'est-ce que j'ai vu? Ah non, ça va. Voilà, tu as Emerson, tu as Danilo, tu as Carioca. Voilà, tu te mets à 1100. On peut pas se placer à 1000. Voilà, il est à 1002, les frères. On va se mettre à 850 et on va pratiquer un petit spam là, tu vois. Parce qu'il est dur de se placer sur la dernière page. Voilà, tu spam ici. Voilà, en espérant en avoir un quand même. Hein, bébé? Hein, m'a gâté. Oui, m'a gâté. Hein, ce qu'a caché. Voilà, tu spam là. Ou sinon, merde. Autrement, tu viens te positionner directement là à 800. Voilà. Et tu fais un peu toutes les enchères qui traînent. Oh, on est sur du 33 minutes. On va le monter à 900. Parce que, oh les gars, faut savoir que 1003, tu les vends. Hein. Oh, enchères, c'est un peu mort. Je crois qu'il va vraiment falloir spammer sur celui-là. Ensuite, DD Argentine. DD Argentina. DD Argentina. Le septième combo, c'est DD Argentine. Et on est sur du. Or rare, il me semble qu'il y a Montiel, il y a Montiel et quelqu'un d'autre, Montiel et Buffarini, voilà, DD, hop, et là on est sur pareil, du 1002, hop, Montiel et Buffarini, voilà, tu te mets là, hop, et tu spams, putain, je l'ai raté, je suis deg, c'est pas grave, ça arrive à tout le monde, pressing, tout le monde, voilà, Montiel et Buffarini, et tu spams, et ça tombe à 650, 700, 800, voilà, après, ce que tu peux faire, ils sont à 1002, mais à 53e minute, normalement, ça se vend à 1003. À l'aise, voilà. Buffarini, est-ce qu'il y a une enchère à faire? Non, il n'y a pas. Surtout, regardez les enchères, les gars. Il y a des très, très bons coups à faire aux enchères. Voilà. Sur ce, les frères, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu, les frangins. Voilà. N'oublie pas le petit like des familles. Au passage, la vidéo, elle sort le 13 janvier. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire, les frères. Voilà. N'hésite pas à lâcher ton petit commentaire, joyeux anniversaire, longue vie et tout ça, voilà. Je fais la vidéo le 12 et aujourd'hui c'est mon anniversaire, je la publie le 13, c'est mon anniv. D'ailleurs, je vais être en live là tout de suite, là, dans pas longtemps. Les frères, prenez soin de vous, gros bisous, n'oubliez pas le petit like, si tu es nouveau, n'hésite pas à t'abonner. Voilà, puis.